D'avoir pris sur votre temps pour être présent cet après-midi à Ramersmat. Madame la sous-préfète Anne Lapard Lacazagne, bonjour. Madame la sénatrice Patricia Schillinger, Madame la sénatrice Catherine Trundley, Monsieur Charles Butner, président du Conseil général du Haut-Rhin. Nous avons aussi Monsieur Pierre Vaux, conseiller général de Cernay. Mesdames, Messieurs les présidents, vice-présidents et élus des structures intercommunales. Mesdames, Messieurs les maires, adjoints et élus des communes voisines. Bien que le souhait d'une telle construction semblait germer dans les esprits des élus depuis bien longtemps, mon conseil municipal et moi-même avons décidé de prendre ce problème à bras-le-corps et essayer de mettre sur pied un projet de construction d'une nouvelle mairie-école à laquelle on souhaitait adjoindre la construction d'une salle multi-activité digne de ce nom, qui nous manquait tant à la commune. Nous avons avant tout mesuré les capacités financières de la commune, avec l'aide de M. Vasselon, je crois que je ne l'ai pas vu, notre trésorier que je remercie pour toute son aide apportée pendant la conduite de ce projet. Ensuite, nous avons choisi le site de cette opération, une maison d'habitation accolée à un cours de ferme dont les propriétaires voulaient se défaire. Je les remercie d'ailleurs que les négociations se soient faites dans de bonnes conditions. Après avoir étudié le programme du contenu du projet, le conseil municipal a donné son feu vert pour les différentes phases d'avancement du projet. En tout cas, je voudrais d'abord te dire quelle est la joie que personnellement je partage, mais qui est de toute façon celle ambiante. Et de voir ainsi réunis ici, évidemment, autour de son maire, tant et tant de populations, avec tous les niveaux de l'État représentés, à commencer par la sous-préfète, les sénatrices, les conseillers généraux, des maires venus si nombreux, des élus locaux, et puis évidemment, une musique qui rappelle si bien notre Alsace. Et combien elle est belle. En tout cas, merci à vous d'être là. Quand on voit une réalisation qui à la fois relie le patrimoine, les traditions, le centre du village, sa place, des bâtiments historiques et la modernité, eh bien écoutez,
on ne peut que féliciter les concepteurs, ceux qui ont mené l'ouvrage, les maîtres d'ouvrage, et je salue ton acolyte ici, Francis, et puis évidemment les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre et les entreprises, qui sont certainement ici nombreuses. C'est réellement une réalisation exemplaire. Et quand on voit le niveau d'adhésion de la population, cela démontre bien que c'est ici une œuvre collective qui est faite à la destination de tout le monde. Et pour un représentant de l'État, c'est important d'être là au moment d'une inauguration d'une nouvelle mairie et en plus d'un lieu important comme une école, hein, parce qu'effectivement on est sur une mairie-école. Alors pourquoi est-ce que l'État a subventionné dans le cadre de sa dotation d'équipement des territoires ruraux? Parce qu'effectivement, deux points concernent particulièrement cette dotation, qui est particulièrement suivie par les élus, puisqu'on a une commission qui est co-présidée par le préfet et par des représentants des communes et de l'intercommunalité. C'est parce qu'effectivement, c'est les écoles qui sont la priorité. Et deuxièmement, nous avions ici aussi l'accessibilité. Et le problème, quand j'avais visité la commune, et que j'avais vu votre mairie, déjà vous m'aviez alerté en disant, ben voilà, on n'a pas d'autre solution que de déménager.